pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qui cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Balobédia Peuple Télévision, dans l'émission Nabiso Tolobela Ekolo. Merci na soutien Nabino, vos ébélés, la République démocratique du Congo, mais aussi dans le reste du monde. Merci de nous avoir fait confiance. Nabi Kiborozala Dessuté, la République démocratique du Congo, c'est beau pays au cœur de l'Afrique. Makambu Izangakate, Tokolobela, Makambu Makolobama, Lelo, Boebi que constitution de la République démocratique du Congo et qu'on reconnaître Bongo. 500 sièges dans le Parlement, car si polémique Mourebimi, dans le budget 2024-2025, le gouvernement congolais a foutu 513 députés. Donc ça veut dire que tu as dépensé 260 000 dollars par mois pour qu'on foutu 13 députés de plus. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Les personnels politiques ont longué de 208 à 2576. Membres, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? L'administration Yakamir et Balobé Zali Bangote, Zali Mboso Moutou a engagé massivement dans l'administration Assemblée nationale. On en parle dans cette émission. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, Balobi cité à Ioulé, na cité à Kalembe, na territoire ya Walikale est tombé entre les mains ya M23 et Kopé Sabango voit. Vers la province de Tchopo, province de Maniema. Mesdames et messieurs, Tokolo Bilayango, FRDC Azali Wapi, gouvernement congolais Akosala Nini, Tokolo Bilayango, le gouvernement congolais, Baoutiko Dekesepe, 45 millions de dollars pour la poursuite et la construction de l'arène à Kinshasa au moment où il y a la grève dans l'EPST, dans l'enseignement. Pardon, le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, il changea déjà beau comprendre, mais aussi le syndicat y a médecins, bah, qu'on grévé. Mesdames et messieurs, est-ce que construction y a centre arène à Kinshasa est à priorité? Beaucoup de sujets autour de Mekampe, qu'on l'obélayango na katia émission Oyo. Pour parler de tous ces sujets, nous avons reçu pour vous, moi Namboka Joseph Mbeza, mon communicateur, il y a UDPS, parti présidentiel. Aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il va se défendre. Ah, il va se défendre. Mais aussi, troisième intellectuel, il y a Kabea Kamwanga, Papi Josso, Yepa Zawana, mon membre, il y a parti, école, parti cher à Chris Mukendi. Donc, Yepa Nabike, Bako soutenir le président de la République, ils vont se défendre aujourd'hui parce que ça ne sera pas facile. Mon amboka papi, je suis bienvenu. Gashama hashujilai ujilama waya waya. Miterena ya nazali na mai na misu. Kamereza kuna. Nazali kotala yango. Nazala mai na misu. Parce que palais du peuple et comme agiloko la Miami ya RDC. Mbule beti ba mitu ke choli. Bana bake klaste, batu bake misalate. Merci na Daniel Bumba pour la kolala. Kimta seza kozinda. Na tonda mina esengo parce que le lona balobeli ya peuple na kutani pour la toute première fois na ndeko nanga Joseph Mbenza olobeli ya IDPS parti au pouvoir oyo bazali ko ndongwana otala mopanzi bo SG Kabuya bazali ko jouer double rôle ezata na statuté kotoyo ndeko mosusu yende secrétaire général donc toza awa pour na kolobela ne serait-ce que peuple. Parce que le quoi la bisotosaba le belia peuple, nous n'avons que le Congo qui nous a été légué par nos aïeux, ainsi que par les très hauts. Aujourd'hui, Toza Awa, pour la Colobela peuple, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que le débat sera pédagogique et sera aussi à la hauteur. Voilà Malobaya, troisième intellectuel, Yakabe Yakamwanga, les millionnaires intelligents, Papi Josso Toyambio, moi Namboka Joseph Mbenza, bienvenue. Na Tolobela Ekolo, bienvenue. Na Tolobela
peuple télévision. Et lors de ça, il n'y a pas si. Nous avons mis sur le premier photo qui a été attaqué IDPS. Bon, je le salue, c'est un ami, c'est un frère. Merci. Donc, ce qu'on m'a besoin à bloquer Nyon, il n'y a pas de quatrième intellectuel. Ça, c'est l'égoïsme, Ndeko. Libérez l'espace. Donc, il y a un quatrième arrêté. Donc, c'est un ami, c'est un frère, on est ensemble. Bravo à lui. Tu as bien un travail, mes salutations à président Chris Mukendi. Mais après, si Kabou Yambo t'était, c'est ça mon regret. Donc, à l'IDPS, il y a la paix. Le président Ayambi, M. Deobizimu, Nabatunyoso, Aibisi Bango, Oakoka, Koebisa Bango. Donc, je crois qu'il y a la paix dans notre parti. La paix, si Bayonios, Bayonanda, Orlando Bisso, Nabalobe, il y a Peuple TV. Ici, au Congo et dans la diaspora, on a 5 000 abonnés, s'abonner massivement. Vous partagez, vous likez. Je crois que sensibilité d'information, nous allons essayer de vous donner la vraie information. C'est à moi de vous remercier. Mes salutations au pasteur Guili, grand frère, ma soeur que j'aime beaucoup, Pascaline, pasteur Roger Kabongona Mikili, apôtre aux États-Unis, Yayo Angwana, merci beaucoup. Alors, moi, Lamboka, Joseph Mbeza, au Kogarde Bongo Maloba, qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a un document où Steve Konda a brandir, comme on a un tableau, hein, il y a une partie, il y a un budget. Le gouvernement congolais finalement va payer 513 députés. Au lieu des 500 députés, n'engue toyebi que tous à la rana 500 sièges, mais 13 députés de plus soit là va coûter notre trésor public. Je pense une affaire de 260 000 dollars par mois. Qu'est-ce qui se passe, mon amboka Joseph Mbeza? Beaucoup bombé la peuple nini, beaucoup bombé la biso nini. Biso toyebi peuple que tous à la rana 500 représentants. Bah comme 513 na budget na lolenge nini. Explication zani. Mais Mitterrand na ya ndeko nangai grand journaliste. Moi, je suis un peu maïle. Mais si tu as un peu de temps, il fallait que déjà battu pour mon pépé. On dirait que ces gens ils sont en train d'étouffer la République à cause des intérêts. Ils ont battu mon sou, ils ont battu mon sou, ils ont battu mon sou, ils ont battu mon sou. Mais on est foutu dans ce pays. On est dans la merde totale à cause des caprices, des individus. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours dans les institutions. S'il n'est pas président, il est premier vice-président, il est deuxième vice-président. Mais on est où là? À quand est-ce que nous allons vivre que Dieu soit président de l'Assemblée nationale, Joseph Mbeza président du Sénat? Voilà. Ces gens doivent nous libérer l'espace. Dans le cabinet, le président de l'Assemblée nationale, le nombre requis dans le cabinet est qu'il y a déjà au-delà. Vous voyez pourquoi? Il faut satisfaire les membres de partis politiques. Il y a Moto Azana Ebonga, il faut qu'on soit membre de famille. Quand il y a un nombre Ebonga, ça crée un nombre pléthore. C'est vrai ce qu'on est en train de rencontrer. Mais dans mon député Moussoussou, il y a un président de l'Assemblée nationale, il y a le Kouta. Mais moi, je réfléchis en tant que Congolais. Tu sais bien que. Nous avons 473 députés nationaux du fait que Maïndombe, élection salamité, une grande partie, il y a province, il y a la province à Est. Par solidarité nationale, les anciens députés sont en train de continuer à siéger. Pendant qu'on représentait Bama Belewana pendant l'élection salamité. Mais si on continue la bise aux 15 députés nationaux. 13 députés nationaux et Outiwapi. Côté Kamere Babito et Biangote. Ma côté Moussoussou Barabi et Zadengwana, même personnel dans l'Assemblée nationale. Ma personnel, ma longue de 208, ma commis 2756 personnes. Mais administration Kamer et Balobi, bango ba hérité en haut d'administration Mbosso, c'est le vieux Mbosso qui a engagé les gens en désordre dans l'administration et l'Assemblée nationale. Il y a un monde même fonctionnement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Et ce qu'il y a encore, ce temps, il y a des frais de fonctionnement. Il y a une mission de service aux 50 députés nationaux, aux 20 députés nationaux. Mais pour aller faire quoi? Ndekomite. Ce qu'il y a dans la pratique, il y a une politique à Congo. Quand tu deviens responsable d'une institution, place à nommer 50, il y a comme 200. C'est des pratiques vraies. Il y a des gens qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat. Aïbi poste n'a été,
Mais tant qu'il combattait, ils ont même le président de l'institution, il n'y aura plus de 200 communicateurs dans la ligne de l'institution. Mais c'est du n'importe quoi. Le but, c'est quoi? C'est de contenter tout le monde. Que Moutinho, ça... Mais non, on a un problème sérieux. C'est là où... Mais ce qui est autorité budgétaire, qui est l'Assemblée nationale, Azali objet à ma pratique, il y a ma anti-valeur, il y a boye. Et bon, on va institution, Moussousou. Très bien. Narozong et Laeul, Issousou, Mwanamboka, Papi Tchosso, troisième intellectuel, Yakabe Yakamwanga. Constitution, je veux reconnaître que la République démocratique du Congo a 500 sièges dans l'Assemblée nationale, mais le Loboué, à la grande surprise générale, le budget de l'État va supporter 513 députés nationaux. Au-delà de ça, le personnel politique de l'Assemblée nationale, Bazala, donc Ndenge Sengeli et Sengeli Bazala, 208. Mais le Loboué, tout comme on a un budget, et Sengeli Trésor public et Foutabongo, 2756 personnels politiques dans l'Assemblée nationale. C'est quand même énorme, mais beaucoup expliqué à mon Ndenge. De comité, il y a le lobby Zalaki dimanche, dans un chrétien, dans un Kendagi Losambo, pasteur Maurice Chimanga a Teibiso, a Betelibiso du solo à Joseph. Ndenge Joseph a Kendaga na Égypte, a Komaka premier ministre. Mais avant Azala premier ministre, il n'y a pas de responsabilité et pas de roi Mokonzi. A Yébissie, Bibouele Nyonso, Makambu Nyonso, Zali na Katia Lupao. Nyonso a Kokiko Simba Yango, Pe Tangwa Simba ki et Fuluka ki. Mais a Pekisa ki a Kaka Mwasi na ye, Pe Biloko na ye a Kolia. Lelo na Katia République démocratique du Congo, Toana ba Joseph te. Ba Joseph Bazate. Joseph en wap, ba ko pe sa responsabilité, Songolo topakala, a Fuluki sa Yango. Le lenge mokonzi a lingi ezala. Lelo toza na ba Ishbochet, les hommes de la honte. Le ko la Vital Kamere. Oh. Mais je vous dis, Vital Kamere, homme de la honte. Na pesi ndakisa ya Joseph. Lelo toza na ba Joseph te. Moutou oyo mokonzi a koki ko pesa confiance. Parce que mokonzi azali na makokite ya kozala partout. Mokonzi azali na makokite ya ko kontrole nyonso. Mokonzi a pesi pouvoir na ye. Yo, Zala président de l'Assemblée nationale. Si quoi, yo, Moutouba, pèse pouvoir, Zala président de l'Assemblée nationale, travailler si quoi, on a quatre visions à chef de l'État. Est-ce que nous devons nous poser la question? Constitution, il y a un bon cannabis. Et Zali Koloba, que nous avons 513 députés. Est-ce que loi électorale, il y a un bon cannabis? Tango, Basala Kayango. Et Zali Koloba, reconnaître 513 députés. C'est ça la question que je suis en train de poser. Na bato ba sali ko landa ba lobeli ya peuple. Nyo so na magui. Kamere Ish Bochette. L'homme de la honte. Ça c'est une honte pour la République. Le loba ko ki ko loba. Non moi na la lobi mabe. Il faut to kangisa ye. To sala ye boy. Je donne les preuves yangoyo. Bidje bimi ba futa 513 députés. Les enseignants n'ont payé. La population abandonnée à son propre destin. Moutoko ki kolobela ye azate. Mais population wana a pesi mandat na ba député. Bokende bolobela biso. Bokende bozole biso solution. La solution c'est ça. Payer 513 députés. Et les 13 députés là viennent d'où? Le long de comité ranaya. On coûte que na pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont les opposants qui se retrouvent. Le pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Ce sont ceux qui critiquent le pouvoir. Et le régime, de Bazali qui se retrouvé. Exemple, au coup de ministre, Bazali qui s'est déplacé, il y a journaliste à l'opposition. Le journaliste qui soutenu Moïse Katumbi, le milâtre, de Bazali. Il y a une délégation à ministre, Bazali qui s'est déplacé. Combien de pourcents y a Bazali qui soutenir chef de l'État? Batoy bazali ko soutenir ba institution bazali ba délégation ba ministre combien de pourcent to yebi sonyo so bandeko ba Yves Bouya to yebi ba journaliste lokola ba Peter Chan ce sont ces journalistes là o bazali ko voyager na ba ministre o bazali na gouvernement Félix Tshisekedi
Félix Tshisekedi Azangi Joseph. Joseph Foya Koki ko pesa une parcelle de pouvoir à ko foulu ki sayango lokola Joseph na Égypte. Mais débat ozobima surtout na côté ennemi personnel politique na Assemblée nationale Kolongwana 208 personnes à 2756. Est-ce que ba ko créer emploi to ba ko charger donc budget à peuple. Bazali ko satisfaire ba intérêt égoïste na bango. Ba tata moi c'est Bazali, ba vice maman Bazali, ba maman là qui Bazali, ba koko Bazali, lokola nga na komi ministre. Moi na tata moi c'est azoluka musala na satisfaire yé. Tala na sima vital kamera na zalaka. Ba kanga na bango nyoso ba kenda na bakala. Lelo bango nyoso Bazali banda. Tala tangu Vital Kamerhe lingi asa la premier voyage na ye pour qu'elle ne représenter RDC. Je crois ceux qui na deuxième session il y a francophonie ici dessus quelque chose comme ça na Canada. Combien de bato chaka na liste et na bato na banani bazalaki. Lelo désordre des ali na quatre parti politique na ye UNC parce que là c'est les enfants d'abord, là c'est la femme d'abord, là c'est les cousins d'abord. La quête à parti politique naïf. Mais alors, ma camboane, ils allaient les pépémbo sont des moutons engagés dans ton désordre. Il y a hérité car la situation. Wana azali kolinga alati se pépémbo sont et la maille a salté. Aujourd'hui, si on pose la question même à mon fils Norvège, qui est le président de l'Assemblée nationale? Nani a sal? Est-ce que na minute autant que ma sali budget? Est-ce que ça à l'époque il y a mosso? Toi, ça à l'époque où il y a azali président de l'Assemblée nationale. Très bien. Vital Kamerhe, très bien. Ish Bochette, l'homme de la honte. Nazongeli Joseph Mbenza, tu meki un peu comme ça la investigation. Balobi les 13 députés supplémentaires, ils ont se justifié par le fait que il y a certains candidats malheureux au Bazala qui n'a preuve, il y a victoire na bango, ba memi yango na instance régionale et na niveau il y a union parlementaire, il y a union africaine, ba musu bakenda bakena Genève. Va gagner procès contre l'État congolais, ce qui fait que donc on a un niveau il y a union interparlementaire, va passer injonction au gouvernement congolais à Zouabatouana na charge parce que longi. Le gouvernement congolais et le parlement ayant peur et va sanction au niveau il y a union parlementaire, va lobby que va confuta les 13 députés au va gagner procès à l'extérieur, va bénéficier d'un avantage nuance mais va commander au CGT. Bah, lobby, et ce n'est qu'une jurisprudence parce que moi, je suis Franck Diongo a bénéficié de l'Ikambouana. Moi, je suis Chaloupa a bénéficié de Monsieur Mbenza et Zayote a bénéficié de donc, ils ont Makambouya Sikate. Donc, cela montre que nous ne sommes pas une république qu'on peut prendre au sérieux. Donc, ce qui revient à dire que nos instances locales ici ont été incapables de déterminer qui a gagné effectivement des élections et qui ne l'a pas gagné. Et que dans l'Ibandande, je suis d'accord parce que c'est la jurisprudence. Et ça l'a déjà. Mais ça montre que nous ne sommes pas encore sérieux. Mmh. En tout cas, excusez-moi de le dire, ce ne se passe qu'au Congo démocratique et le pays de Tshisekedi Tshisekedi de Mulumba et de Lumumba. Qu'un député national a siégé mais a joué n'a été. Mais que député a joué qui bah, qu'est-ce qu'on réhabilite dans l'Ibanda Mboka et puis bah, zoni, bah, passe une injonction dans Mboka, on a bah, sanction, bah, de foutre le meilleur. Mais un siège était. Mais on est où là? On est perdu. On m'a dit, ma Vital Kamerhe. Toi, biso to lobaka que non, il était à Bongi la place où on a. Bah, singele là de partout, bah, tiki zaye. Mais ce monsieur, il va nous foutre la merde de. Jusqu'à quand ces messieurs? On dit déjà, on a déjà une déclaration, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, mais on a dit, c'est-à-dire, ah, Nzambe, c'est-à-dire, on a expliqué. On a dit, 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 on a président Assemblée nationale. N'aimez pas, ils ont gâté les Mboso. Maintenant, ils sont présents à l'Assemblée nationale. Mais si tu avais trouvé que Mboso m'a salé, mais annule ça. Donc, en d'autres termes, Mboso a salé qui n'a pas de continuer. Je suis à la raison. C'est un régime où la discipline n'est pas de mise.
que ce soit le ministre. Obi que moderon si ma mutamema bibi kapinga na mikila poto. Kama lokonde mutamema pero luwara ba olola na katanga na Lubumbashi. Moi je suis étonné. Même na sinalo osomona. Il semblerait que selon nos informations, il y a des opposants qui sont payés par un certain responsable de la SNEL au détriment il y a pas communicateur, il y a IDPS, na ba union sacrée ba zone yokwama. Et c'est normal dans une république. Peut-être va communiquer mieux que Bino. Ils ont le niveau en Ghana Tchosso. Et puis, bah, banga, peut-être, bah, banga, bah, critique, bien, vous critiquez, bah, on dépo, vous non, vous dites, bah, non, parce que au-delà d'être. C'est de la trahison à l'égard du chef de l'État et pas bah, certains ministres. Même dans qui ministre de la Finance. Excusez-moi de le dire, bah, toi, tu as la délégation, bah, ta communication. Non. Mais c'est des gens qui critiquent le chef de l'État. Ils ont soutenu Moïse Katumbi. Mais pourquoi il se retrouve dans la délégation des ministres du ministre Fomba? Un des gomites. Et c'est normal, dans un régime, la discipline doit être de mise. Soit aux un ministre au côté de l'Union sacrée. Soit aux un abyssoté. Comment? Dans un biso, ma opposant, ma bala, dans un régime. Ma voyager, dans un régime. Mais ce n'est pas normal. Mais ce sont les premiers. À critiquer le président. Il y a bandaku pendant régime à Félix, mais chose qui n'a pas été pendant Joseph Kabila. Mais parlons un peu dans Likambouya. Likambouya paiement, alignement, il y a 13 députés. Et ça l'a raté des dans le budget. Puis non, beaucoup chargé, beaucoup tiré la balle réelle sur Vital Kamerhe. Mais c'est le gouvernement qui a proposé, donc qui a préparé le budget. Bino beaucoup d'éloigné gouvernement la bino beaucoup tel à l'Assemblée nationale. Et ça on a dit qu'un niveau gouvernement va interpeller qui est chaque institution a présenté un budget naïe. Oh le gouvernement est dans en côte. Le gouvernement n'impose pas le budget. Même conseil supérieur et la magistrature, bah, on peut pas même un budget la bango. Assemblée nationale pas même budget. Ce n'est pas même budget. Le gouvernement a sali ensemble Janio Sona. Abimisi montant chiffré, alouki n'engani ni par quel moyen, à quoi qu'on réunit ma montant ou non. Maintenant, bah mon acquis au gouvernement, tant ou ma proposition est gouvernement, à la kanamaka barolo bate. Té, ou on est à un niveau Assemblée nationale. Le gouvernement ne peut pas bloquer. Impossible de bloquer à ce niveau. Mais gouvernement, n'a gouvernement, balobi, le gouvernement émane de l'Assemblée nationale. C'est que Binonion, pardon, gouvernement, ils accomplissent dans ma kambo Assemblée nationale. Non, le fait qu'il y a un jugement, non, lobby, libanda mboka. Qui oblige la République démocratique du Congo à payer ces gens-là qui ont gagné des vraies élections au détriment de ceux qui n'ont pas gagné des élections qui se trouvent dans l'Assemblée nationale. Nous sommes dans un dépotoir. Très bien. Moi, je suis le troisième intellectuel Yakabe Akamwanga, Tome Kakolobela, Likambo Oyo, Nigena Outi Koloba, Balobi les 13 députés ont gagné procès. Il y a un contentieux élection Libanda. Mais le coup, la Cour constitutionnelle a validé qu'il y a déjà 500 députés. Moyen bazo ni sabango ezate ba ko bénéficier na ba avantage nyonso mais seulement ba ko siéger té mitana ya. Sotali na ba entreprise publique. Otali na ba société ya l'état. Otali combien de gens bazo ze la base à la retraité. Baza retraité té. Il y a certaines personnes même, certains agents qui sont déjà retraités, mais qui n'ont pas bénéficié à ma frère na bango. Le gouvernement n'a pas de questions. Les gens ont tout n'a même la question. Pourquoi le gouvernement ne pouvait pas bloquer? Mais à Outiko et Bissayo, chaque institution a zali ko proposer budget naïe. C'est en ce moment-là que le gouvernement a zali ko bimisa. Un nombre chiffré, bien déterminé, ce que moi je peux dire, dans ma kambu oyo, il y a des députés, il y a 13 députés. C'est ce qu'on appelle en latin, kundamu mani, mani mungunda, ce qui fait la chimbondation. Kundamu mani, mani mungunda, ce qui nous donne chimbondation. Un désordre organisé. Comment vous pouvez comprendre
que les députés ont saisi l'instance. Et l'État congolais a zo banga. A ko banga nini. Quelles sont les sanctions que l'État congolais a ko ki ko banga? Sous Joseph Kabila, l'État congolais a été sanctionné. Est-ce que Zako Banga a été respecté? Mais respect y a respecté. Respecté la convention. Respect. Et ça respecte de ko ezali ko banga. Nous avons eu peur. Nous sommes quel État? Nous sommes quel pays? Nous sommes quel genre de dirigeants de comité naya? Et qu'on peut ça passer pemawa. Talaka ka vila Kinshasa ndenge ezali. Ce qui mboule bête. Mboule ou tiko bête de joie. Pourquoi on n'a pas de caisse mongo? Il y a qu'on débouché toutes les canalisations, il y a mal une ville à Kinshasa. Il y a un écho sale, mais la ligne moins la mboka. Voilà, il va faire quoi ça là? Alobi que ceux qui va mal disparaître 2 heures après la pluie, ça veut dire que Moussala, y a courage, y a bas caniveau et ça l'a mis bien parce que Zalaki se boule bêti. Beaucoup moins à 2-3 jours, bah mal ils ont cette année. Wana bateau et bas pour qui qu'on dit mais loco wana et ça va tomber fin dans la porte. Et ça y est on a tête à Kinshasa. Combien de bateaux la Ganazela Bazali qui ont débouché à Bakaniveau? Combien? Les quelques peu de bateaux Tomonaka, au Bazali qui ont débouché, Bazouaka Bayimondiswana, Batiki Yango Kakawana, Bayaka Kozoyangote, Soyimbou les Beti, et Zongi Lissoussou. C'est ça qu'on appelle la timbondation. Nous sommes très désolés. Le président de la République avait dit nous devons éviter les horaires du passé. Et je crois l'une des erreurs du passé, on est évité. C'est Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Très bien. Totika là toujours na niveau ya na niveau ya Assemblée nationale. Toki makambo yo gouverneur militaire ya Ituri ya lobby que Azan a regret à constater que certains députés nationaux collaborent avec les groupes armés et ceux qui Assemblée nationale ba bengié a cité ba kombo na bango. Président Assemblée nationale à Lobaki, déclaration à ministre, pardon, déclaration à gouverneur militaire à Ituri, et Zali Bongo, outrage, naba député national, et Zali Maman à Makelele. Moi, je suis Joseph Mbenza. Ponanini Parlement, ponanini gouvernement, ponanini pouvoir judiciaire, et ont kokate ko sanctionné ba député Oyo Baolinga Kotika groupes armés. Kamerhe à son temps en a parlé. Mboso yemo kalobi quitter les groupes armés. Kabund yemo kalobaki que ceux qui te mettent en place, na te mettre en place publique, ben information tozozoa par rapport à la participation à ba député national ba groupes armés. Les gens vont se repentir. Gouverneur militaire Aouti Kolobayango. Ponanini le pouvoir, le procureur activakate un procédure pour nako sanctionner ba député wana. Ne commits. Je salue le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Johnny Kanchama. C'est parmi le rare de militaires qui ont fait du travail. Bon, moni bandeko nangai. Faut na expliquer ba congolais. Ituri avant état de siège. Les gens se promenaient avec des têtes coupées en plein Bounia. Je dis bien à plein Bounia. Il y avait des attentats à tout moment à Bounia, en Ituri. Ce qui oyoki bazolo ba mahagi. L'insécurité qui a cru. Quand le général est venu, avec sa méthodologie, il a maîtrisé la sécurité en Ituri. Le seul endroit où il y a l'épicentre de l'insécurité, c'est dans Djougou. Djougou est dans un ministre qui a été à Zaïre. Dans Kodeko, il y a trouble. Mais il est établi que ce sont des milices communautaires. Il y a un peu de Hema, il y a Lendu. Maintenant, ce sont des ministres, des députés nationaux qui sont à Kinshasa, qui alimentent ces groupes armés parce qu'ils ont un trafic. Un, il y a cacao, il y a or. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus. Le cacao et l'or. Alors, certains d'entre eux qui sont ici dans l'Assemblée nationale, ils sont connus. Maintenant, le général en avait marre de la politique et de la justice. Parce que j'en ai assez. Combien de rapports à Pessaté? Maintenant, ce qui était étonnant, j'aurais voulu voir deux actions. Un, le PGL, procureur près de la Cour de cassation, parce que ce n'est pas n'importe qui a
qui est dénoncé, ouais, c'est le gouverneur de la province, de surcroît un militaire. Quand un militaire parle comme ça, c'est que l'on a donné, mais il y a ça limité. À l'obi même que ce soit bien l'Assemblée nationale. Il a demandé même à M. Vital Kamerhe à inviter à Kinshasa, à en pleine séance, en pleine plénière, à le baba fait. Mais au lieu que M. Vital Kamerhe passe par des canaux, il fait une déclaration. Il intimide, il menace le gouverneur. Former le gouvernement, Bayebili Kambouana, le service à renseignement, Bayebili Kambouana, mais il y a malheureusement personne qui a le courage de dénoncer, sinon d'activer les procédures pour sanctionner tous ces élus qui tirent leur positionnement politique dans les groupes armés. Donc, au Mitterrand, je pense que le gouverneur a mis balai, il y a que ça la dénonce. Non. Moutouyami Sat, il y a que ça la dénonciation. Moutouyali Bosso, Mbosonko Diampuanga. Avant Mbosonko Diampuanga. Bon, on attend un peu de temps. À son temps, Mboso, président de l'Assemblée nationale, a comment on a député, on a reçu un lobby. Chers collègues, vous, chers collègues de l'Itouri et de l'Est, quittez les groupes armés. Ce qui veut dire que le président Mbosso avait toutes les informations sur les députés Oyo Bazali en connivence dans les groupes armés. Mais après, il y a eu un tangaba combo. PGR, silence impressionnant. Deuxième mot, un député à l'équipe média pour dénoncer qu'au soir, il y a deux députés, il y a Itouri. Là, je cite Ntingi Pouloulou. Oui, à l'objet, les Camboyas sont morts. Et les qui, dans l'Assemblée nationale, dans la plénière, il y a les lots. Député Mibale, parce que les soins de groupes armés dans Bango, dans l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, de comité, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel État? Ou dans une institution, deux députés qui entretiennent les groupes armés, bah, ils sont les Congolais. Bah, on va aller quoi agresser les Congolais, mais pas soit dans la carte d'Assemblée nationale. Bah, on va aller quoi soit bah émoliment. Aujourd'hui, le gouverneur militaire Louboya a sali déclaration. Mais ce qui est choquant et ce qui attire mon attention, c'est que au lieu et à la place que Vital Kamerhe atteint de l'invitation, aya papa, toyoki nenge olobi que Ozali n'a pas donné, parce que m'a donné wana, bah député wana bazali, banane, Vital Kamerhe. Piche Bochette a créé la déclaration. Il y a qu'on soit nana, Godin Poy, Bangonyonso, les deux professeurs en économie, Bazana Master, Banco Swana sur le taux de change dans les États-Unis, mais Banco Swana sur le taux de change, il y a Congo T. Ça se fait qu'au Congo, au Somona Batou, Banco Swan de la Macambo, Oezali Koleka, Namoka Yabapaya, mais Bazo Swan de la Té Macambo, Ezo Koleka, Namoka Nabango. Très bien. Moko, a outi na vice primature, ya économie, li bungutul. Moussousou, a outi na APK, li bungutul. Bakoutani na Assemblée nationale. C'est la Kinshasa. Chimbondation. Chimbondation. Voilà. Mgunda moumani mani mounkunda. Chimbondation. Monsieur le président de la République, Ozana Joseph. On peut interpeller la. Bah Joseph, s'il vous plaît. Bah Joseph, oye, bakoni go sunga, président de la République. Joseph Chimbenza, oye. Troisième intellectuel de KBR. Joseph Chimbenza, oye, avant Ao. Joseph Chimbenza, oh, Yavandi Ao. Troisième intellectuel de Kabila Kamo. Mitterrand Naya. Pascal Bokwala. Pascaline Kasongo. Chris Mukendi. Wanande ba Joseph Oyo, président de la République, ce qui a sali classe politique naye, a pesi bango ba parcelle de pouvoir, ne ba kosungaye. Batata ote, ba kabiliko mouboutiste. Naye ba kite ke komba Joseph Izara, Joseph Chimbenza. Alors, nalingi, moi l'amboka, Joseph Mbenza, au réfléchir toujours. Namakamba koleka na likambo ya sécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Lobby dimanche, ma rebelle ya M23 va récupérer localité ya Yule na localité ya Kalembe ezali bongo na Walikale, territoire à Walikale. D'après député national juvénile à Lobby, donc comme une phase cruciale et qu'on bangue ça parce que comme on a territoire comme on a qui rebelle M23 ma côte bongo pour la première fois na Walikale
ba récupérer cité à Kalembe, la cité à Yule, et copesa bango la voie vers province à Maniema, vers province à Tchopo, vers ma province de Soussou. Alors FRD, c'est ce qui va continuer pour là là guerre et cause dimension Moussoussou. Parce que déjà territoire Walika les Nako qui ne manie mana ou qui ne Tchopo, ba rebelle ba cause bongo possession. Il y a un site où ils ont minéré et belé pour renforcer les capacités de Bamo. Boni Boni, M23 va continuer pour récupérer Bama Belé, alors que FRDC va monter en puissance. Les gommis, tes dossiers sont sensibles. Dans le Bango avec tout le calme possible. Je me pose la question sur la qualité et la compétence de conseillers militaires du chef de l'État et de la maison militaire du chef de l'État, le Congolais Bolananga très bien. Bon, tout ce qui s'est fait, c'est le schéma que le Rwanda avait en 1994 contre Habyarimana. De l'autre côté, il y avait Arusha, on vous dit de négocier. Mais Kagame est en train de prendre ma territoire. Si Ego Koma, dans le jour fatal, on a abattu l'avion d'Abiarimana en avril 1994 avec trois présidents dedans. Ma membre du gouvernement. C'est le même schéma avec la RDC. Je me pose la question, monsieur le président, le niveau guerre est commis. Et comme la guerre est en état critique, il n'y a plus moyen de tout se voiler la face. Il y a un « ça ne va pas quelque part ». Foutez dehors tout le conseiller militaire. Parce que le risque est ça que aujourd'hui nous ne sommes plus en mesure de récupérer l'espace qu'on a perdu. C'est l'équivalent du Rwanda qu'on a perdu aujourd'hui. Les territoires occupés aujourd'hui. Et que je suis étonné qu'il n'y ait pas une réaction musclée de notre armée. Nous ne faisons que défendre. Nous ne faisons que respecter le cessez-le-feu. Nous ne faisons que respecter. Mais nous sommes sur notre territoire, monsieur le président de la République. Que diront les populations, les civils du nord et du sud qui, d'ici là, Bagolobanini, tu les as abandonnés, tu es un traître. Je le dis déjà. Parce que ça commence à le dire, mais moi j'ai haussement la voix. Monsieur le président, la situation est récupérable aujourd'hui. Mais si nous continuons à négocier, à négocier, à négocier, un jour, l'histoire retiendra que sous Félix Tshisekedi, fils de Tshen Tshisekedi, membre de l'UDPS qui a eu ce qu'il y a eu, il est temps, monsieur le président, que vous puissiez prendre des décisions importantes au moment où nous parlons, parce que l'air est grave. Comment le M23 peut prendre des territoires, des villages comme ça, et notre armée ne réagit pas? C'est qu'il y a un problème. Neko, nous sommes sur le chemin. On vous distrait Nabablo ou à Luanda. C'est une distraction des Américains et des Européens. Une distraction. De l'autre côté, on est en train de dire au M23, au Rwanda, avancez, avancez. On vous dit de ne pas tirer, de ne pas réagir. Or, la Constitution de la République vous donne le pouvoir de protéger les 2 345 410 km² et tous les Congolais. Aujourd'hui, on ne parle plus de Bounanga, Haïtien, Kinshasa. Tout le monde, c'est la coule douce. Détournement. Arena. Mais prenez l'argent de l'arena. Donnez aux militaires, monsieur. C'est quoi ça? Très bien. Mon amboka Djosso, troisième intellectuel à Kabe, à Kamwanga. Cité à Kalembe, Koui. Cité à Aoule, Koui. Donc, M23 déjà, boulevard Zela et Pessamé, les bons librement. Il y a comment la Bongo, province à Tchopo, province à Kisangani, et puis d'autres provinces. Donc M23 bah, suit vraiment la système stratégique. Alors que tout ça dans la négociation, il y a Luanda, alors que c'est le fait de Rolobela, mais M23 a continué de grignoter Bongo Mabele à Congo. Je vais dire des adages latins au président de la République. Galiboso, heteta, heta. A toi que je l'ai dit. Comme pour dire que. Le président de la République, lors de la campagne électorale, il a promis des choses à la population congolaise. Je me sentirai président que tant que guerre est dans l'Est en Bokanabis. Je pose la question au président de la République.
Nous sommes déjà au deuxième mandat. Est-ce que guerre est-il dans l'Est à mon abisson? Ça, c'est le premier adage. Et t'es à toi que je l'ai dit. Deuxième adage latin. N'gashama hachudilaï ou dilama waya waya. Rubini. Le léopard est un carnivore. Mais il s'est fait que ce jour-là dans la forêt, il n'y a pas eu de proie. Le léopard était obligé de manger l'herbe. Na minute léopard ezanani chimbenza nangai. Et tous les communicateurs qui soutiennent le chef de l'État. Wana master nangai, frère nangai, ayebi pourquoi nazo benga yebongo. Tika na na bakisa bayide nanga. Léopard ezanani. Léopard oya tiki musuni, azangi musuni, akekola matiti. Nani Joseph Mbeze Papi Josso. Nous savons soutenir le chef de l'État. Nous avons parlé de la question de l'Est. Mais aujourd'hui, l'armée congolaise ne fait que des replis. On vous dira, ce sont des replis stratégiques. Bien. Que dira Joseph Mbeze sur ce plateau? Que dira Papi Josso, le troisième intellectuel sur ce plateau? Que l'armée congolaise a quoi ça la kaba replis stratégique? Et que bah, détournement, ils ont ça la kaka. Okoyoka boy, détourner boy. Oko sala boy, détourner boy. Okoyoka boy, kazaga sali boy. Lampadaire forage. Armée Nabisso, tokomi na souka. Nous n'espérons qu'en Dieu. Bien que la politique, tous ensemble, tous chapemen, nous devons faire des efforts pour démontrer à la face du monde que nous sommes un pays souverain, un État souverain et fort. Pas qu'on y commande la vie, soit hein. Ceux qui ont sorti en 1960, on vous dira que Batoubabanda Golongo, Afrique du Sud, on va se faire soigner, on va au Congo. Est-ce que ça peut se faire aujourd'hui? Dans quel hôpital? Ça fait mal. Moi, j'ai toujours dit au président de la République, à ça, la sagesse, aussi longtemps que entourage Naya et Tondi Naba, Kabiliko Mouboutiste, le président de la République, vous ne ferez absolument rien. Et votre entourage, et Kolingate lobby, tant que l'on a le pouvoir, pas le bagage Félix, c'est qu'il y a l'Orangi, guerre à Estambouk. Bon, Kolingate. Si j'ai un soukato pour clôturer l'émission Nabisso, tu dis comment tu dis que madame la première ministre Gilit Simuna Toulouka a décaissé bon au deuxième compte. Il y a 45 millions de dollars qu'on a poursuivi, il y a construction, il y a arène à Kinshasa. Au moment où bah, enseignant va bah, gréver, au moment où bah, médecin va bah, gréver, au moment où Kinshasa, dans certaines provinces, va bah, poser bah, infrastructure cruciale, mais construction et arène à deuxième compte et que compter. Donc, ils ont 45 millions de dollars. Joseph Mbeze, la priorité, ils ont mis pour le gouvernement. Oui, bien, Mme Salama. Moi, j'aurais voulu que cet argent va passer en bas militaire, pour l'instant. Arena et Kosa, on en a plus tard. Parce que l'urgence aujourd'hui, c'est même pas Banzela aujourd'hui. Je vous dis la vérité. L'urgence, c'est de récupérer nos territoires qui ont été conquis par des criminels rwandais. J'ai suivi un Rwandais qui est en train de donner conseil aux Congolais. Il nous dit clairement, changez votre constitution. Parce que Bissoba Rwandais, nous sommes protégés dans votre constitution. Les gens s'opposent au changement de la constitution. Deuxième chose, il y a des besoins. Bon, Webipé, entre nous, hein, Négomite, chaque fois qu'il y a une session budgétaire, Batounionso, t'as la période Mingmi, le mouvement de grève à Ebélé. Le souci, c'est de se faire entendre pour Bazobango en charge dans le budget 2025. Il y a un moment où il y a un montant qui est au créneau. Il y a un moment où pendant l'année scolaire. Il fallait au début de l'année, il y a un gouvernement à la gorge. Le médecin peut emboîter le pas. Tout ça, c'est dans le souci que va tenir en compte dans le budget 2025 parce qu'ils se disent un député a plus de 10, 11 000 dollars. Il ne travaille que 3 mois. À quel vacances 3 mois. La plupart de la République, de Willy Michigi, à quel sous la mer Méditerranée. Voilà. Mais monsieur. Enseignants à la 408 000 francs. Écoutez, les Maragnons sont un adjudant chef à 265 000 francs. 408 000, combien de dollars au moins? Moins de 200 dollars, je pense. Bah 145 dollars.
Si quoi, au moins 21 000 dollars, bah, vous avez 50 000. Et puis, il y a, des. Les Kenyans ont joué à 145 dollars. Moi, j'avais dit de comité Naya, de Joseph Mbeza, si on pouvait renverser la donne, bah, j'ai 21 000 dollars, bah, foutu médecin à enseignant, non magistrat, bah, j'ai 408 000 francs, bah, foutu député. Non, il n'y aura plus de députés dans le Non, mais, donc, mais bah, ça le problème, mes amis, je comprends le sentiment des grévistes, mais il faut ça à ma peine à ma norme. Je suis choqué que des enseignants qui n'ont pas donné cours, mais qui ont la banque chaque fin du mois, qu'ils ont un bon salaire. C'est là où les bas blessent. J'aurais voulu, moi, si j'étais bah, syndicaliste, nous allions demander à tous les enseignants de ne pas percevoir leur salaire et d'attendre l'augmentation. Mais les mêmes enseignants qui n'ont pas donné cours, mais qui sont allés dans des banques percevoir un salaire dont ils n'ont pas presté. Côté Pemabé Angwana, mais dans l'ensemble, Arena, 45 millions de dollars. Je comprends le sentiment du gouvernement parce que ça l'a dit ma kelele. Mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité pour moi, c'est l'est du pays où on doit donner cet argent aux valeureux militaires. Imaginez, vous en avez 45 millions de dollars. Vous payez 1000 dollars à chaque militaire. Vous voyez ici que l'objectif c'est quoi? C'est Kanyabayonga. Bouragana. As-tu 1000 dollars dans la poche? As-tu 500 à Tini na Kin? À Tini na province? As-tu 500 à Okota Kanyabayonga? Priorité du Tumba Est. Ndekomit. Tu as un militaire. Si on peut 5000 dollars. Vous voyez ici objectif Kanyabayonga. Je vous donne 3 jours. Azu 500 à Tchena, na Libenga. 500 à Tini na Palais. Aibi ke ba petit ba odame. A okota bitumba. A refrappé ba Rwandais. A okota Kanyabayonga. Bo pesi esu sou 1000 moussousou. Bo ebi siye objectif. Eza ki changa. Dans 2 jours. A okota bitumba. A refrappé. Bo pesi esu sou 1000 dollars moussousou. Bo ebi siye objectif Bounagana. A moins d'un mois te sisi bitumba. Très bien. Mwamboka Papitse, ce troisième intellectuel à Kabeya Kamwanga, deuxième account, on a poursuivi à travers Arena, 45 millions de dollars. Au moment où les enseignants voient la crée, le médecin, comme il a peut-être la solution à Bango, il y a la vitamine, il y a la sarabatou, mais priorité, il y a tout à Arena Sikoyo, alors que ça brûle un peu par-ci par-là. Donc, au terrain, il y a. Autant que je me suis adressé au président de la République en latin, Tikana s'adressait peu à maman Judith Soumino en latin. Maman Judith Soumino, notre première ministre de l'histoire que le Congo ait connu, le troisième intellectuel de Kabeya Kamwanga vous parle. Il a dit ceci en latin. Ma kwani chakou de Gomusap, Kamushalou Foubanichala. Comme pour dire que moi, troisième intellectuel, j'ai acclamé, j'ai applaudi maman Judith. Que maman Judith, t'as le gouvernement là, et que ça l'a m'a bien. N'a écouté dans le bin à yo, au tuninga bamitouna, t'as la maman Judith boue, t'as la maman Judith boue, mais si vous allez le maman Judith à salle, à comme vous fumez moussabi, pour n'a eu bien que maman Judith au comme aux olia potopoto qui toko mingi. Maman Judith a eu bon, ah, moi, la langue, on a eu potopoto mingi. Est-ce que c'était ça la priorité? Et je comprends. Ndenge balobaki ke mongo ba dekesaka liboso arena tira le squelette ndenge zawana. Misale silaté. L'argent a été détourné. Pour ceux qui mongo ezaki détourné te elingaki etika la mikuwa ndenge zawana te. Mais aujourd'hui, on débourse encore, on décaisse 45 000. Papa. Ce n'est pas 45 000 dollars ou 45 000 francs, 45 millions de coûts. Mais après, soit exemple, la motivation, il y a un militaire dans le bisso. Les gens qui sont en Sanit, est-ce que les Congolais ont des choses que les Congolais ont en Congo? Je me pose la question. Lorsque le président de la République, avant d'avoir un conseil de sécurité, conseil national de sécurité, Bakanisakanine. Balobe la canine pour la localité et ali prise, balobe la canine pour la territoire où ils ont pris, occupé. Quand on est en conseil de gouvernement, balobe la, en conseil de ministres plutôt, balobe la canine, il y a un autre qui s'agaka.
Nkunda Mumai, Mani Mukunda, Timondation. Donc comme il a super émission, moi l'amboka Joseph Beza, talana gouvernement et à Madame Siminoa. Tangila biso combo ya ministre Moko. Où azo sala vraiment et loko tozo regretter pour nous dans le gouvernement et puis on conclut en une minute. Ah, ministre on azo regretter. Ah, pour sala et loko tu as dans la place na yete. Et puis on conclut l'émission. Ah, c'est une question vraiment difficile. Oza matumboli. En tout cas, le regret est profond. En tout cas, aujourd'hui, je ne peux acclamer que Moukoko Samba. C'est quoi acclamer? Acclamer, côté. Et puis, on conclut l'émission. Mythe. Nzamba Pamola va congoler de partout. Très bien. Moi, je suis papi de ça. Ministre, où est-ce que ça a été côté à la place na yété. Où est vraiment aux autres regretter pour n'y avoir qui nommé ministre. Tu peux conclure l'émission. Donc, Mitterrand, avant de répondre à la question, je suis dans le Congo Airways. Je suis dans le Congo Airways. Je suis dans le Congo Airways. Je suis dans le Congo Bertrand et Wanga. Je suis dans le Magui et Belé. J'ai des informations et des éléments sur lui. Et même la suspension, il y a DG, il y a Congo Airways, PCA Bertrand Wanga, Azana Makambo Bele. Nako Zongela, dossier Wana Pona Yebsebino, Nini Maye Tata Wana, Azali Kosal. Je suis étonné que Moutouba Bombaye na bande de touche pendant plus de 10 ans, mais Tim Benzaye Sangaya Oke Aza, Azon félicité Ye. Moutoua Liboso, on a Azon regretté, on a Azan nommé le gouvernement Oye, et là Moukoko Sam. Un ministre Bendok. Na lobi biloko kiti wapi? Tuna ba mama bango bazo lekao. Mama yo wana vandi wana biloko ezo kita wapi? Depuis que Moukoko Samba zawana, quelle est l'action gouvernementale? Osombi carburant na combien? S'il vous plaît. Osombi carburant na combien? Kende siko na station batekele yo. Osombi na combien? Na lobi kende na station ba. Osombi yango na combien? Soki ba lobi que ba kiti si carburant, j'accepte, je m'incline. C'est une bonne décision, déjà un pas. Mais est-ce que toi il y a ma pompe d'essence, Bangoteka, c'est ça la question. Mais voilà, je vais dénoncer Bango. Non. C'est-à-dire que ma rétrocession à Bango, les amis qui ont gâté. Papa Kokoumi, ça Moukoko Samba, s'il vous plaît. Merci de la confiance au PSA qui mission dans le Bélé à Peuple Télévision. Il y a tout son arrêt à Souba. Émission à Bissot, le Bélé Écolo, c'est ça pour le Bélé Écolo. Malgré nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour, excellent. L'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il accepterait d'en entendre? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qui cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.